Vous êtes hôtel de ville de niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8 et voire même plus. Vous ne savez pas quoi améliorer en priorité. Vous ne savez pas quel bâtiment toucher pour vraiment être efficace et vous imposer le plus rapidement possible dans ce nouvel hôtel de ville. Et bah sachez que cette vidéo est faite pour vous, surtout pour ceux qui sont à bas niveau. Mais ne pars pas mon ami, si tu es aussi bien gradé dans le jeu à partir de l'âge de 10, 9 en allant bien sûr, n'hésite pas, bah regarde bien cette vidéo parce qu'il y aura des conseils qui te concerneront aussi. Salut à tous les amis, c'est Asadot Gaming, donc on est passé HDV4 sur le compte Free to Play tout simplement. Et à cet effet, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu les priorités up en HDV4. Mais comme je l'ai dit, les hauts niveaux ne partaient pas parce que les priorités concernent absolument tous les hôtels de ville. Et je vais pendant cette vidéo m'accentuer un peu plus sur l'HDV4, mais vous aurez quand même les informations à vous mettre sous la dent. Donc on va plus traîner, on va partir juste après l'intro. Là juste après l'intro, et en temps j'avais prévu de vous faire une autre vidéo, pas celle-ci, donc j'avais déjà lancé quelques up. Bon, je vais vous les montrer quand même. Donc quand vous passez un nouvel hôtel de ville, l'une des priorités, il faut d'abord en numéro 1 améliorer vos réserves, les réservoirs d'or et d'élixir. Vous devez tous les mettre à jour pour pouvoir stocker le plus d'élixirs. Et n'oubliez pas bien sûr de les maxer totalement avant de passer un nouvel hôtel de ville, parce que c'est quelque chose de vraiment imposant. Donc n'hésitez pas avant de passer un nouvel hôtel de ville à remplir totalement votre trésorerie de clan, parce que ça vous aidera énormément. Et je vais vous donner une petite astuce tout de suite. Il faut que vous jouissiez au max du bonus étoile et des boosts d'amélioration de l'hôtel de ville. Dès que vous améliorez l'hôtel de ville, vous savez, il y a pendant une durée un boost de héros et un boost de ressources, c'est-à-dire le bonus butin, il est multiplié par 4 et donc bah, c'est 4 fois plus. Normalement ça devrait être du 150 000, là c'est du 600 000, donc c'est très rentable. Ne passez jamais à côté de ce boost. Et pour une autre astuce comme ça, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin si vous voulez l'avoir. Donc après cela, après les réservoirs, vous devez améliorer le laboratoire parce que c'est très important. Vous voulez avoir une puissance de feu très importante en HDV 4, 5, 6 et au-delà. Vous voulez être assez bon en attaque par rapport aux troupes que vous avez, donc pour pouvoir faire les GDC, rusher, farmer, etc., etc. Donc le laboratoire, cela va de soi, tout simplement, car l'up des troupes est très importante pour un nouvel HDV. Donc ensuite, vous allez passer au camp militaire, parce que ça va vous permettre de stocker le plus de troupes. Et on le sait, il est important d'emporter le plus de troupes possible en attaque, c'est crucial. Donc bah, personne n'a envie de partir avec une composition bancale, je dirais. Donc vous voulez vraiment améliorer vos camps militaires, vous devez les améliorer pour être vraiment très rentable. Donc là je vais me pencher un peu plus sur un tournoi en HDV4, c'est la caserne. Vous devez améliorer la caserne au niveau 6 quand vous êtes en HDV4, parce que vous débloquez les ballons. Et cela va de soi pour les autres hôtels de ville, si surtout en HDV 5, 6, 4 et 7, où vous débloquez des troupes très puissantes. En HDV 4, le ballon, 5, le sorcier, 6, la guérisseuse, bon, un peu moins importante, mais vous aurez besoin de l'améliorer pour ensuite en HDV 7 avoir votre dragon. Donc c'est très très rentable. Et quelque chose que j'aimerais vous conseiller, c'est qu'avant de vous mettre à vous ruer sur les autres défenses, de maxer totalement tous vos remparts avec les ressources que vous avez eu à amasser. Et pourquoi ça? Parce que les remparts, si vous faites tous vos bâtiments et que vous vous dites bon, avant de passer le nouvel hôtel de ville, je vais améliorer mes remparts, vous verrez que ça vous prendra plus longtemps. J'ai fait le test avec un ami, on avait commencé bah, au tout début, puisque moi j'ai eu plusieurs comptes dans le jeu tout simplement. Je lui avais lancé un petit défi de tout simplement bah, maxer ses bâtiments à bas niveau avant les remparts. Et moi j'allais faire l'inverse, j'allais maxer les remparts avant les bâtiments. Et j'ai pu constater que en maxant les remparts avant les bâtiments, grâce surtout au bonus étoile, bah on est beaucoup plus rapide dans l'amélioration du village et on peut passer beaucoup plus vite le nouvel hôtel de ville. Donc bah je vous conseille de vraiment maxer vos remparts avant de commencer à vous ruer sur les bâtiments. Donc là j'ai encore d'autres remparts à poser. Bon, en HDV 4 essentiellement il n'y a pas trop de bâtiments
extrêmement important à poser. Donc, en même temps que je cause, j'essaie de poser des bâtiments ici, tout simplement. Bon, on va mettre une GM, c'est pas grave. Et quand même, n'hésitez pas à économiser vos GM. D'ailleurs, je vous préviens directement qu'une vidéo se prépare sur la chaîne. Une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment avoir ces 5 ouvriers le plus rapidement possible en 2 méthodes. Oui, vous allez vous dire qu'il faut économiser les GM. Bien sûr, il faut économiser les GM, mais comment les économiser? Comment en gagner plus? On va aborder ce sujet dans une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si vous kiffez déjà cette vidéo et si vous ne voulez pas rater la suivante. Donc, j'ai déjà parlé d'un rempart. Donc, à ce niveau d'hôtel de ville, vous devez absolument placer votre défense anti-aérienne le plus tôt possible. Donc, je vais la placer pour le bien de la vidéo. Je vais la gemmer parce que je vous ai dit, le compte est free to play. Je ne mettrai pas d'argent, mais je vais utiliser mes gemmes et vous verrez que j'aurai quand même très vite mes 5 ouvriers parce que j'ai l'astuce imparable vraiment pour réussir à avoir ces derniers le plus rapidement possible. Donc, je le redis, abonnez-vous pour l'avoir également. Donc, la défense anti-aérienne est la seule défense aérienne. D'ailleurs, je vous dis que les ballons les ballons sont très cheatés en HV4. Donc, il faut réussir à défendre ces ballons. Donc, quand vous avez amélioré votre quand vous avez débloqué votre petite défense anti-aérienne, mettez-la directement au niveau 2 si possible. Donc moi, j'ai pas préparé la vidéo parce que je voulais un peu lancer les améliorations devant vous, mais bon, c'est un compte free to play, donc je ne suis pas trop sûr qu'on pourra faire ça, mais j'essaie de vous expliquer avec un petit montage. Ah, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous kiffez les montages que je fais. J'essaie de m'améliorer vraiment. Donc moi, je pense la prochaine vidéo que je vous tournerai sur ce compte free to play, on sera quasiment en train de passer HDV5, à moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant à vous montrer, du genre une compo ou quoi. Donc j'avais prévu de vous présenter des compositions d'attaque en HDV3, mais je pense que je vais reporter ça pour une autre vidéo aussi totalement. Donc encore une fois, si vous avez un compte HDV3 ou si vous êtes HDV3, abonnez-vous, ça soutient énormément et vous aurez tout plein d'avantages spécifiques. Donc après avoir amélioré votre défense anti-aérienne, n'oubliez pas de faire le château de clan. Et généralement dans ce château de clan, vous avez envie de prendre un bébé dragon parce que le bébé dragon, il peut être très 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 chiant en défense, surtout si vous l'accompagnez d'un sorcier, d'une archère, pour le gérer, pour une chance aux adversaires. Donc après ça, vous vous occupez de vos tours d'archère parce que les tours d'archère, ça fait une défense supplémentaire par rapport à l'aérien vu que vous avez à poser 2 tours d'archère. Voilà, donc c'est vraiment très rentable. Et je vais annuler l'amélioration du château de clan pour récupérer la moitié de l'élixir, mais je m'en fous honnêtement parce que c'est que je vais refarmer ça. J'ai les meilleures techniques pour farm. Là, je vous présentais une vidéo, mais je l'ai retardée parce que quelque chose n'allait pas avec les comptes que je devais utiliser pour vous présenter les compos. Donc, je devais fixer ça avant de vous passer ça. Donc après, vous construisez vos pièges, hein. N'hésitez pas à vous faire plaisir sur la pose des bâtiments, mais moi je vous conseille vraiment sur l'amélioration des bâtiments. Et je pense qu'on aura fait le tour. Avant de se quitter, je vais tout simplement essayer d'aller rejoindre un bon clan ici. On va voir ce que je peux trouver. Gargantiesque. Ah bon, attendez, je vais ajouter le clan en favori parce que c'est un bon clan. N'hésitez pas à rejoindre le clan si vous êtes free to play, hein. C'est un avantage tellement grand, vous savez pas. Donc ici, je vais demander des petites troupes. Et dès que je vais les recevoir, on va aller faire une attaque. Et je pense que j'ai fait vraiment le tour, hein. A few moments later. Je vais rejoindre le clan Gargantuesque. C'est bien ça que j'avais ajouté en favori ici. Ok, parfait. Donc, on va aller se faire une petite attaque avec cette composition qui est normalement faite pour être jouée en HDV3. Mais bon, on va se faire plaisir ici. On va attaquer un petit HDV4 parce que je suis HDV4. On va voir s'il y a un château de clan. Ok, il n'y a rien qui ramène ses petites fesses. Donc là, je vais directement voir mes géants près de la défense anti-aérienne et de la tour d'archère. Donc on va rentrer dans la base ici. Et directement, moi je vais mettre quelques archères derrière pour soutenir avec directement mes petits... comment ils s'appellent déjà? Je ne sais plus trop. Barbare, voilà. Et dès que la tour d'archère tombe, l'attaque est totalement pliée parce que les tours d'archère et les défenses anti-aériennes, une fois tombées, il n'y a plus rien pour défendre sur la base. Je pense que vous l'avez compris, c'est une force pour cette compo vraiment. Et elle domine très bien HDV3. On va voir si je pourrais l'adapter pour ne pas la changer totalement en HDV4 et vous la présenter, les amis. Donc, l'attaque se passe bien.
Je pense j'ai vraiment fait tous les points essentiels de l'amélioration. Peut-être c'était pas assez complet parce que oui, je me suis un peu accentué sur l'HDV4, mais il y avait vraiment des conseils essentiels pour les gros niveaux d'hôtels de ville aussi. Donc bah, si vous avez aimé les conseils et tout, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu, allez commenter la vidéo pour me donner vos retours si vous pensez qu'il y a des améliorations à faire et tout. Ça soutient tellement la chaîne, vous savez pas à quel point ça donne de la force vraiment. Et je vous avais promis un petit bonus à la fin de la vidéo, une petite astuce. Bon, ce n'est pas une astuce, mais c'est une annonce que je ne voulais faire qu'à la fin de la vidéo. La prochaine vidéo qui arrivera sur la chaîne en termes de Clash of Clans, je vous prépare pour cette vidéo que je viens de mentionner, une vidéo sur comment devenir une machine à 3 étoiles en GDC, c'est-à-dire comment perf le plus de villages, devenir vraiment très bon en GDC, être très consistant, enchaîner les 3 étoiles en GDC et bah vraiment être un très bon attaquant. Donc bah si la vidéo vous intéresse, vous savez quoi faire, abonnez-vous pour ne pas la rater. C'est une vidéo que je vais pas vous tourner seul, je vais vraiment essayer d'avoir des conseils. Mais bon, je vais vous donner un petit plus, beaucoup de gens l'ignorent, mais actuellement quand vous passez HDV4, débloquer toujours la MDO. Donc moi, je vais pas faire le tutoriel parce qu'il est assez long et tout. Donc bah chef, notre bateau et notre équipage sont prêts à appareiller. Peut-être que pour la prochaine, le prochain, excusez-moi, épisode bah free to play, on ira jouer sur cette fameuse MDO. C'était Assault Gaming, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.